6 septembre 2000, 15h52, Nevada, désert rouge. Nevada. La néo-mitochondrie. Je me doutais que vous ne seriez pas au courant. C'est elle qui engendre les créatures que nous, le Mist, nous chassons. Et vous dites que ça crée une pollution biologique dans l'abri? Ouais, une masse de néo-mitochondries ayant perdu leur hôte est en train de rôder à la recherche de nouveaux corps, comme un Bernard l'ermite. Voyez le genre, quoi? Non. Le mutant blanc, c'est un peu difficile à croire, votre histoire. Mais il y a aucun danger, puisque mes hommes ont tout un équipement de BC. Les bazookas. Ce n'est pas si évident que ça, c'est très complexe même. Elle peut aussi très bien agir sur leur propre mitochondrie. Outre ces cyborgs, leur rapport fait également mention de monstres. Alors, mais par bonheur, aucun soldat ne semble avoir été contaminé. Vous devriez au moins mettre en quarantaine ceux qui sont entrés. Chacun de la mitochondrie, comprends? Vous avez raison, on va les envoyer en quarantaine. C'est ce que je vais faire. En fait, excusez-moi de vous demander ça, mais... Et vous, ça va? Puis-je vous parler, mon lieutenant? Et chez qui elle est? Excuse me, I have to go. Quoi? Quoi? Y'a pas de problème. J'ai consommé notre peau à nous. Agent Brea. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Agent Brea. J'ai une bien mauvaise nouvelle. Nous avons passé les environs au peigne fin, mais pas de trace de la gamine. Explosée. Il n'y a aucune trace du colosse et de la fillette dont vous nous avez parlé. Ni le Kilik, soit d'autre. Alors? Ah bon? Curieux. Mais j'y pense. Avez-vous le contrôle total de l'abri, au moins? Mais bien! En fait, pour tout vous dire, un obstacle invasif nous empêche de pénétrer dans un des secteurs. On va lui péter la gueule. Faut pas nous saouler longtemps. Je m'en doutais, en fait, vous avez rien foutu, hein. Mais vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Oui, malheureusement. Et je devrais pouvoir y pénétrer, moi. Parce que moi, je suis une super humaine, moi. Ça ne vous dérange pas que j'aille voir ce qui se passe? Non. Mais je peux pas vous laisser partir. Allez, si vous voulez, je peux vous y aller accompagner. Les zones sous notre contrôle ne posent pas de problème. Mais nous ne pouvons pas garantir les étages inférieurs. Soyez prudente. Pas de problème, j'ai l'habitude. Merci. Sinon, mon chef m'a me pété la gueule. Et n'oubliez pas. Oui? Elle a pété la gueule! Qu'êtes-vous venu faire ici, en fait? Notre mission consiste en deux points principaux. Péter la gueule et péter la gueule! Anéantissement d'un groupe terroriste lourd et demandé. Prise de l'abri à Niati Atomique qui leur sert de base d'opération. Je ne peux rien vous dire d'autre. Top secret défense, hein? Non, j'ai oublié. Ok. Bon, revenez ici pour l'instant! Je refuse! Je peux pas laisser la petite se faire tuer, espèce de sans-cœur. Revenez, c'est un ordre! Je t'emmerde! Fuck you, you will come back! Désolé, ma décision est prise. Sont-ce là les manières de nos gens idéales? Fédéral. Ça doit être du TNT. Il faut tout faire péter, c'est ma boule. Sont-ce là des manières? Je peux vous en prendre un peu? Allez-y, prenez tout, allez! Faites-vous pas chier. Ouais, des munitions, cool!
Qu'est-ce que tu fais ici? Shalab, t'as buté mon maître. Je suis venu te faire la peau, je vais te bouffer. Comment tu vas faire pour me retrouver? Oh là là, je suis sur le cul. Bref. Mon père a été tué, mon maître. Tiens, c'est quoi ça? C'est sa bague. Il m'a filé avant qu'est-ce de mourir. Qu'est-ce que t'as autour du cou? C'est un tampon tampax. Ah merci, j'en avais besoin. Je peux te le mettre. Merci Flint, t'es un brave toutou. Et toi t'es une chienne. T'es un beau chien. Eh franchement, je vais te tuer. Ah, ouais. Brave toutou pidouve. Ah c'est Rupert, qu'est-ce qu'il fait là? Tu m'as les poutous un fois. Merci d'être venu Rupert. Je n'étais pas très chaud, mais bon, je me suis réchauffé. Te demander un petit cadeau. Ah, oh, c'est sympa, des belles magnums. Oh. Je te l'amène, je te demande. Vous avez une petite pince? Ah, oh, bah c'est malin. C'est con, hein? Ça m'étonne que Hal t'ait envoyé en renfort, hein? J'ai pris quelques jours. Quoi? J'ai pris quelques jours! Ah, oui. Je suis actuellement en cure pour soigner ma blessure au bras. En fait, il y a une différence. Et je venais me reposer dans le désert, je suis tombé par hasard sur toi. Ah, ok. Tu vois, me reposer dans le désert. Hein? Quelle coïncidence. C'est coïncidence, hein? C'est marrant, hein? Et puis une collègue chasseuse, à moi, c'est du boulot en plus, alors. Merci, je t'en vendrai ça. Utiliser olive noire? Bref! Flint, sans ça, tu comprends? Allez, cherche la petite fille, va chercher! Bref! Elle est devant moi! Non, c'est pas moi, c'est une autre! Ouais, mais comment tu veux que je fasse la différence? Les programmes de décongélation sont accessibles par un seul contrôle: Pound Golem, couleur verte, type garde, Rock Golem, couleur rouge. Ça m'intéresse pas, ça c'est vu? Bon! Ben bah non, pas votre patronne. Y'a rien ici. Des saucissons, ouais, des fraises. Ouais. Oh, on m'a retiré ma queue. Bon alors, elle est où, elle? Cherche Eve, la petite fille. La petite droite, fille. Droite. Oh, oh. Oh, je me balade tellement bien. Ouf. Oh, excusez-moi, j'ai plus roue tout tôt. Oh, c'est à droite. Elle est où? Alors tu trouves? Ben non, je trouve pas, j'ai le nez bouché, j'ai la grippe. Elle est là-bas? Ah non, par... non, pas par là. Si, moi je suis sûr qu'elle est là. Mais non. Je crois que mon flair, il est meilleur que le tien. Oh, oh mon monsieur. Ah, maître, oh maître, ouf, ouf. Maître, ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mal, monsieur? Qui êtes-vous? Je suis du FBI. Ah, j'aimerais pas être à ta place, hein, vieux con. Je vous aurais bien tenu compagnie, mais je n'ai pas le temps, je dois y aller. Ne vous en faites pas, virez-moi ce chien. Vous avez raison, la douleur s'estompe peu à peu. Je vais venir avec vous. Quand mes yeux reverront, je devrais pouvoir marcher comme avant, comme quand j'étais petit. Flint? Ah, quoi? Reste avec lui. Non, je vais pas rester avec ce con, moi. Enchanté, Flint. Serre-moi la pince. Je vais pas rester avec toi, couillon. N'allez pas par là. Je t'emmerde, je vais où je veux, non mais... De toute façon, je suis bienvenu, je sais à quoi m'en tenir. Puis moi, je suis une super humaine, là. Je suis un métocondridri, là. Pas de problème.